Ce n'était qu'un cauchemar. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé hier soir. Je me rappelle juste que Luna était en train de mourir et que Xard ainsi que les autres étaient là. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Lolita a utilisé sa magie pour stabiliser son état, afin d'éviter qu'elle meure. Avec Lolita pour qu'elle continue de la soigner. J'étais très affaibli, sans que je comprenne réellement pourquoi. Xard m'a dit d'aller me reposer, pendant qu'il resterait au chevet de Luna avec Lolita. Bonjour, Naos. Bonjour, Xard. Comment va Luna? Est-ce qu'elle va bien? Oui, ne t'inquiète pas, elle est hors de danger à présent. Grâce à Lolita qui a utilisé son pouvoir toute la nuit pour la soigner. Elle est ensuite rentrée chez elle pour se reposer. Oh, je suis très heureux d'entendre ça. Naos, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Je ne m'en souviens plus trop. Je me rappelle d'avoir trouvé les ruines et que Luna était là, allongée sur le ventre. Dans une mare de sang. Quand moi aussi, je l'ai vu dans cet état-là, j'ai cru que tout était fini. On a retrouvé le cadavre du frère de Lorenzo. Tu sais ce qu'il s'est passé? Il a rigolé. Et il a dit qu'elle avait essayé de le vaincre, mais qu'elle était trop faible. Tout de suite après ces paroles-là, j'ai senti qu'une profonde colère, ainsi que de la rage, montait très vite en moi. Après ça, j'étais à genoux. Et lui, il était mort. Entre ces deux moments-là, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Ok, je visualise un peu mieux ce qui est arrivé. Il faut que tu saches, Naos, que tu as utilisé ton pouvoir, mais là, c'était bien plus puissant que les autres fois. Est-ce que tu vas bien? J'ai utilisé mon pouvoir? Oui, je vais bien. En parlant de mon pouvoir, je sais maintenant de quel type il est. Ah bon? Oui, c'est un mélange. Il est de type R, comme vous, et aussi de type céleste. C'est céleste? Comment tu connais ce type-là, Naos? C'est grâce à une fille qui elle aussi utilise la magie. Elle m'a appris les deux types de mon pouvoir. J'avais des doutes sur le type de ta magie. J'ai pensé également que tu possédais le type céleste, mais je me suis vite rappelé que c'était impossible. Quoique maintenant, ça expliquerait pourquoi tu es devenu aussi puissant en si peu de temps. Et attends, qui est la fille qui t'a appris ça? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Inari. Inari? Quel âge a-t-elle? Elle doit avoir à peu près mon âge. Et est-ce qu'elle t'a montré son pouvoir? Oui. Il était de type feu, et également de type lumière. C'était la première fois que je voyais ce type-là. C'est elle. Xard? Oui. Je vais te laisser te reposer, Naos. Ah, tu es là, Naos. Oui. Depuis combien de temps es-tu à côté d'elle? Quelques heures. Je vais devoir aller chez moi pour récupérer des affaires. Je suis désolé de rester dormir ici tous les jours, mais avec ce qui s'est passé par rapport à ma petite sœur, je n'arrive plus à dormir là-bas. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Naos, ni de te justifier. Tu peux rester ici autant de temps que tu voudras. Il n'y a aucun problème à cela. Merci, Xard.
Salut Naos, je ne t'ai pas vu depuis un certain moment. À chaque fois que je viens faire un tour à la maison, tu n'es pas là. Il faut qu'on s'organise un petit rendez-vous pour discuter, ça pourrait être sympa. Et il faudrait que tu penses aussi à reprendre l'école, car tu as complètement arrêté d'y aller depuis la mort de ta sœur. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, et voici ton argent de poche avec un petit supplément. Papa. Un petit rendez-vous, et il peut toujours rêver pour que je reprenne l'école. Encore, ça devient de plus en plus fréquent. Luna, ça fait déjà 2 semaines que tu es dans cet état-là. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Tu me manques. Il faut que tu saches que je tiens beaucoup à toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu mon argent de poche. Et j'ai pu t'acheter 10 boîtes de cookies. J'espère que tu pourras les manger dans pas longtemps. Il en manque encore 87 boîtes. Luna ! Pourquoi tu pleures, espèce d'idiot ?